pas de doute dans ça. Le 20 janvier, pour le venir là, Joe Biden pour le président. Même les Trump t'a relé, t'a crié, t'a roulé à terre. Joe Biden pour inaugurer le président. Mais, mesdames et messieurs, administration de Joe Biden pour une administration qui poil difficile. Il n'est pas facile du tout. Dans le temps ça que Trump était sous pouvoir là, bagay qu'il pourra le faire, c'est bagay qui va le faire en pile monde saisi. Président Trump déjà commencé mettre ensemble une liste de l'ordre exécutif pour le signer avant l'aller. Et en pile dans bagay ça qu'il pourra le mettre là, c'est bagay qui pourra le vraiment difficile. Dans un sens, président Trump prend grenade, il largue sur tout le pays. Il crase le pays en plusieurs morceaux. Et qu'on y a là, il longe le by Joe Biden pour le mettre l'ensemble, pour le longe. Actuellement, pendant la parler là, Cour suprême a étudié et tendait arguments sous bagay census des États-Unis. Nous te parlons de bagay ça qui ça que lié. Président, selon la loi, il doit compter tout le monde qui dans le pays. Et avant 6 janvier, il doit remettre nombre de monde qui vivent dans le pays des États-Unis. Et c'est ça qui pourra décider combien de représentations chaque État ça a gagné. Je vais expliquer ça autre jour. Bagay ça, mesdames et messieurs, il y a pile gros implication là-dedans. Implication que le gagné, c'est parce que, encore, même si je me souviens parler de bagay birthright citizenship, nous te parlais tout à l'heure là. Côté que, son série de lois qui chita dans le livre là, depuis des années et des années, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'il a toujours écrit. Mais président Trump encore n'a même objectif pour capable éliminer pouvoir que moun couleur a gagné. Trump a pas cherché dans loi une série de bagay qui était écrit pour un bail avantage à minorité et l'a éliminé. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. C'est seul objectif là ça. C'est seul objectif là ça. Parce que Trump décidé pour éliminer dans loi census la loi census là qui dit comme ça que ça nous le recensement en créole là qui dit comme ça que pour nous compter tout le monde c'est ça la loi a dit tout le monde qui vive en dans border des États-Unis doit compter quel que soit statut monde qu'il est illégal qu'il pas illégal nous doit compter chaque monde qui vive dans pays là. C'est sa loi a dit. Mais encore, le président Trump déclaré que il voulait éliminer illégal immigrant. Monde qui bagay papier. Ça, c'est un désastre lié. Ça, c'est un désastre. Parce que même dans la Bible, la loi Moïse, là, oui. L'ité bail pour yon capable faire yon gens pour yon prendre soin moun qui immigrant qui pas citoyen dans pays. Même dans ça que t'as fait cadeau dans l'église pour cadeau qu'a fait yon 10 000 offrandes qu'a offri yon. T'es gon parti là dans t'es gon taille t'es gon groupe qui t'est réservé pour prendre soin moun qui pas citoyen pays. Étrangers et immigrants qui habitent parmi vous. Parce que ça, c'est un intégral part de la vie. Vous avez toujours des immigrants à la caillou. Vous avez toujours des gens qui sont étrangers à la caillou. Et les gens, ça, ils méritent pour prendre soin de eux-mêmes. Ça, c'est la Bible. Et songez bien, les gens conservatifs, ça, c'est les gens qui sont plus chrétiens, parce que tout le monde qui est sur la terre. Nous toujours dit nous ça.
c'est facteur chrétien même c'est là que lié. Si vous besoin bon chrétien ou voulez recommander un bon chrétien, c'est dans conservatif que vous pas prendre. C'est là où il est, c'est là où fait au même. C'est manufacture. C'est là où imprimé chrétien même. C'est moun sa yo qui aime la Bible parce que tout le monde. C'est eux-mêmes qui comptent bon Dieu parce que tout le monde. C'est eux-mêmes qui comptent tout bagage qui immoral parce que tout le monde. Mais c'est eux-mêmes qui pi oppressive parce que tout le monde. Et oppressive yo a, li seulement contre monde de couleur. C'est ça que li. Immigrant lui-même si loi ça passe actuellement, Cour suprême a examiné Kakonya. Songez bien, nous avons 6 conservatives, catholiques, chrétiens dans Cour suprême. 6. Nous avons 3 seulement, yo chrétiens tout, mais yo libéral. Alors qu'on est selon conservatives, yo libéral pas chrétien. Parce qu'il a essayé de protéger le monde. Yo pas chrétien pour ça. Ce qu'on y a là, il y a une possibilité. Parce qu'actuellement, nous connaissons Chief Justice Robert, qui a perdu le pouvoir depuis que Léofin mette Amy Barrett. Il a perdu le pouvoir. Votre li a presque pas gagné pouvoir encore parce qu'il y a 6. Ça ne suffit pas pour renverser choix que tout l'autre 5 yo. Parce que nous avons 9, 6 dans l'OC et conservative, 3 libéral. Parfois, juge Robert change la vote avec eux pour des cas, mais qu'on n'allait pas passer parce que qu'on y a la Amy remplacé Ginsburg et Lynn Bayon plus majorité. Gain 6 États aux États-Unis qu'on y a là. 6 États aux États-Unis, dans ce sens là, qui peuvent souffrir si par hasard, juge a décidé pour exclure l'illégal immigrant dans le compte-là. Qui va ajouter. Nous avons California, nous avons Texas, nous avons Florida, nous avons New York, nous avons New Jersey avec Illinois. C'est une série de côtes qui ont en pile immigrants et en pile dans yo illégal. Ça veut dire tout état ça yo poil perdu une série de représentations. Deuxièmement, pas bien assez ressources ou bien l'argent qui allocate pour moun sa yo aussi. Ou pas gen plus misère, plus crime, plus problème, parce que moun sa yo vive dans le pays, yo utilise ressources état. Et lorsque pas gen assez ressources pour tout moun sa yo, ça comme passé. Pauvreté, homeless, tout bagay sa yo, pour le fait. Parce que ou ete ressources pour yo, parle de yo pas lever aller. Non. Et c'est ça même que pays a connait qui veut dire nous devons compter tout le monde. Son acte de charité que lié. L'on voyez ou voyez manger pour tout le monde. Pour que monde dans lui-même qui pas gagne assez, qui a couru qui ton pays côté il en pauvreté l'a couru, il vit dans côté, il vit là depuis longtemps, il carré un petit bail manger tout. Mais les républicains bas Trump veulent éliminer bagay ça. Et qu'on y a là, juge suprême yo a gardé ka, y a tendé argument yo et puis ta bay yon décision avant Trump aller. Avant Trump aller. Deuxièmement nous gagnons Obamacare, li aussi devant juge suprême yo. Et si nous remarquons qu'on y a là, nous songeons que les républicains ont poussé courir puis ont choisi un monde pour remplacer et Ginsburg et au point Amy. C'est ça qui fait qu'on y allait à courir pousser pour que t'en mettez tout bagage devant juge pour qu'il décide pour avant d'en parler. Son mess, il va le quitter pour Joe Biden. Tout ça va passer là pendant qu'on a parlé là. Sur le plan international, on a l'autre plus gros bagage qui a passé là. Président Trump voulait quitter yon guerre avant l'aller. Et Israël a poussé les États-Unis pour aller dans la guerre ça.
avec Iran. Bagal parle kounya là en bas. Mais situation li commence à paraître très très dangereux. D'expliquer nous hier comment que selon ça qui vous fait comprendre, Israël assassiné top scientiste en Iran. Bagay ça mesdames et messieurs, li pa piti. Pour qui ça? En pile pays qui est condamné action. Même une série de citoyens aux États-Unis, même républicains aux États-Unis condamné à la tout. Je vais comprendre, il est a wrong time, wrong place. It's all wrong. Yo le acte de criminalité. Malgré que yo poko di, yo poko complètement di c'est Israël qui fait avec les États-Unis. Mais les États-Unis dit il pas connaît. Mesdames et messieurs, m'a dit non bagay. Relation avec les États-Unis et Israël, c'est qu'on s'allie. Israël pas fait action sans qu'il pas fait les États-Unis connaît. Ça tout le monde comme ça. Ils sont violation même de agrément des accords qui gagnent entre deux pays. Yo action comme ça pas faite si que les États-Unis pas bay blessing li. Faut le bénir. Ça veut dire que si vraiment c'est Israël qui touye élément, Israël ou bien Benjamin Netanyahu pas capable ordonner genre de massacre ça si qu'il pat consulter et parler avec les États-Unis. Qui ça a fait là? Les États-Unis connaissent et Israël connaît que Joe Biden li plus pour parler sur diplomatie. Diplomatie, c'est que travail mette en forme de agrément, de accord pour que Iran promette quel pape crée un nucléaire d'armes et la ouvre porte li pour que inspecteur capable venir pour checker puis est-ce que vraiment le pape fait. Israël pas veut ça. Israël veut éliminer toute possibilité que Iran capable créer un arme. Et seule possibilité que le gagne, c'est la bombe dans toute faculté, dans toute place, dans tout laboratoire qu'elle connaît Iran gagne. Ça veut dire la guerre. Aussi, Israël pas peur aller dans la guerre avec Iran. Israël pas peur. Au contraire, il y a brûlé. They asking for it. Parce qu'ils connaissent que les États-Unis ne peuvent pas entrer là-dedans. Et si les États-Unis entrent, mais Joe Biden marre, il n'est pas capable de faire négociation, la guerre est dans main, ou un pays qui est divisé. D'abord, on nous parle de ce qui va passer là. Si ça t'a fait. Ou un pays qui est divisé, droite et gauche, les républicains, Joe Biden peut même pour pouvoir commencer à critiquer. Il peut même président, il commence à critiquer. Pour les gens qu'il choisit dans le cabinet. Ou un pandémique, capturé des millions. Plus de 260 000 monde déjà mourir dans le pays. Plus millions qui ont une infection. Et pas gagné solution. Nous avons promettre, donc il promet ce qu'il fait pour le vaccin. Mais nous ne pouvons pas. Ok. Vous avez un président, un ex-président qui se Trump, qui déclare c'est possible en janvier 2020, pendant que Joe Biden a inauguré, lui-même l'a fait l'autre event pour le déclarer candidat pour 2024. C'est ça que je dis. Ça veut dire que il pas venir à l'inauguration, au lieu de venir, il va faire un event the same day pour le camper, pour le déclarer campagne pour 2024. Il fait comprendre dans seul prétexte ça qu'il pour aller. Ça veut dire qu'on y a là. Président pas de problème pour la pays à non guerre. La guerre est dans la main de Joe Biden. Quand a Joe Biden parle de mess dans la main, non seulement ça, songez, il a retiré soldats en Afghanistan qui étaient là, qui ont bail des supports, il a retiré en préparation pour un bagage quand même que le fait. Donc, plan, c'est un plan qui est dangereux, c'est un plan qui est bien déterminé, et c'est un plan qui promet que Joe Biden poil y a un pile problème. On l'a dernier bagage que m'avait dit avant que m'aller. Pour Joe Biden gagne succès
li pa ka continuer avec même promesse sa qu'il devait faire. Promesse pour restaurer nom des États-Unis. Non. Joe Biden doit changer caractère. Parce que pour Joe Biden ranger ça qui fait là yo, li faut ta bold. Même Jean avec Trump qu'on y a là. Nous connaît qu'il pas capable Trump. Mais faut garder la loi qu'on y a là tout, faut étudier loi. Pour voir qui action capable prendre. Même action qui n'est pas populaire oui. Pour qu'à contrecarrer action que Trump fait. Yeah. Parce que il pas capable marcher. Joe Biden va paraître so weak. So soft. On dernier bagaille. Pour travail fait aux États-Unis, doit gagner un accord entre les républicains et les démocrates. C'est comme ça pour le marché. Nous qui qu'on est républicains pas jamais accepter puis négocier avec Joe Biden. Pour qui ça? Républicains qui étant ouais, they get that close, ils étaient très proches puis dominer toute politique dans le pays. J'étais prêt à éliminer la démocratie dans le pays. Et quand y a là, peuple apparaît avec Joe Biden, il a éliminé. Il y a espoir encore qu'en 2024, il a mis Joe Biden dehors et il a réinstitué même bagaille que yo gen konn y a avec les yo. Ça veut dire que li pa nan avantage pour travailler avec Joe Biden. Li nan avantage pour boycotter l'administration. Make it look bad, li pa accompli rien. En 2024, yon républicain monte sous pouvoir et li retourne continuer Trumpisme. Ou bien Trump retourne encore. C'est ça plan yé. Ça veut dire que seule façon Joe Biden pour accomplir rien, il y a 4 ans en main qu'on y a là. 4 ans ça pour garder loi, garder ça capable faire pour renverser une série de bagailles et prendre des actions bold pour l'empêcher. Pays ça entrer dans yon tout. Il pas facile. Yon moun ki gen yon culture de patience, de paix, de joie, de l'amour, c'est ça que Joe Biden a prêché, ça pas travail qu'on y a là mes frères et sœurs. It's not gonna work. Li passé. Bâtiment grand quitté pour l'aller. Nom les États-Unis déjà en balan fait presque. C'est un petit doigt qui rete. Moi si Joe Biden qui me doit amener à l'île mettez nain d'ailleurs pour pas tout faire mais moi faire l'autre action pour pas quitter tout bâtiment plongé parce que actuellement président Trump déjà crasé pays c'est Timoso par Timoso qui tout côté l'entrée dans cour suprême l'entrée dans département de justice pas gon organisation que président pas entrer là-dedans li mess li up. Il y a un autre gros bagage qui est encore. Bon, si l'on a un bagage, on va même parler, mes frères et sœurs. Nous avons un président qui change la classification des employés fédérales. Ça, c'est l'autre gros bagage que Joe Biden est supposé renverser. Il change la classification yo, avec un autre exécutif. Côté que y a là, employé fédéral qui est supposé neutre, il est venu parti employé. Ça veut dire qu'il est loyal à un groupe. Ça, c'est un bagage qui est dangereux. Dangereux et dangereux. Et ça peut nous dire que en pile bagaille doit fait Joe Biden grand pile travail pour le faire qu'on y a là parce qu'il pas gagne un mess dans mel. God help him. Donc merci Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passez un bon dimanche. Bye bye.